C'est au volant. Ah bah très bonne nouvelle, tu comptes prendre quoi comme volant? Parce que sincèrement, il y a le G27 qui est génial, une grosse tuerie, mieux je pense que le G29. Et sinon, il y a le TX500, je crois, je sais plus. 5, Je sais plus exactement, mais c'est le 3, X500X 2, ou X500. 1, go. Il est vraiment génial, apparemment, c'est une tuerie aussi, champ. peut-être un peu mieux que le G27, mais gauche, je six, sais pas. 93. Je l'ai jamais testé perso, mais j'ai déjà vu pas mal de vidéos dessus. Moi, après, personnellement, j'en sais pas parce que j'ai réussi gauche, à la bac les présents sur le chat. On me l'a vendu à 180 milieu euros. J'ai sauté sur le test direct. Gauche 6 sans couper, 150. Voilà. Attention, étroit gauche 5 sans couper en légère négative. Droite 6 long, 150. Avec un volant. Attention, milieu sur crête saut et freinage gauche 1. Même si tu vois, je suis plutôt nul en fait. Étroit 1 semi long. Mais bon, ça vient avec le temps. Sur gauche 1. Connaître les circuits et tout, et là, force. Je deviens. Étroit 3 long sans couper s'ouvre sur crête 60. Prudence droite 6. Sur gauche 5 sans couper après c'est mieux ou pas, les amis? Sur crête, droite 6. Sur gauche 5, long crête, 93. Et au niveau du bruit du volant, est-ce que c'est trop bien parce que j'ai mis le retour de force crête possible, saut 60. C'est nettement mieux de jouer avec le retour de force. Droite 3, tu ressens et crête possible, saut. T'es gauche 6. Sur droite 5, long. Sur la route. Sur gauche 3, long 60. Tu ressens bien les effets et je kiffe. Droite 3. Sur gauche 5 ferme sans couper. 150. Gauche 6. Attention droite 6, station derrière 200. Salut Rocher. Droite 6 sur boss. Gauche 5. Droite 6 120. Watch. Droite 4 long. 60. Gauche 1 semi-long. C'est mieux. Droite 6 semi-long crête. Sur droite 6 semi-long. Ferme sur 4. Gauche 6. Et crête. Sur droite 5 semi-long, ferme sur 2 sans couper. 60. Gauche de long 60. Droite de long sans couper, crête 80. Ça c'est mon frein à main, gauche, c'est crête pas compris, c'est pas mon levier de vitesse. 80. Au cas où, on sait jamais. Attention, gauche 4 long milieu. Sur droite 5 semi-long sans couper, serré à droite sur crête. Voilà. Gauche 4 long. Sur attention, droite 2 long milieu. 170. Ça, attention, c'est sur droite 5 ferme sans couper. Gauche 6. Sur gauche 6 long 80 sur boss. Droite 6. Sur gauche 6. Sur droite 5 ferme sans couper. Attention gauche 2 et 3. Et glisse en milieu. Ouais. Sur gauche 6, yeah. Et serré à gauche sur crête. I'm Sébastien Lord. Attention crête droite 6 ferme sur 5 et 3. Gauche 3 long. Ou pas. 60. Crête possible champ. Droite 3 long 60. Gauche 2 continue sur 80 après aire de repos. Sur droite 6. J'ai mis frein sur crête possible saut 60. Serré à gauche sur crête. Droite 6 long. C'est tellement chaud, c'est vraiment très chaud. Et droite 2 semi-long sans couper. Gauche 3 long serré à droite sur crête 80. Droite 6 sur petite crête. Petit. Sur gauche 4. 80. Gauche 6 80 sur petite crête. Sur un bébé. Comment j'ai éclaté le chrono! Je kiffe. 3, 4, 5 et 16, je sais plus. Oh, je sais plus. Plus 8 secondes. J'aime ça. Oh, j'ai gagné 2 succès d'un coup. Admirer le génie. 10 sur 70. Donc ça, ça doit être, je pense, des chronos top top. Et j'ai pas eu le temps de lire le deuxième. Bah, c'est pas grave. Je peux le voir. Ça, c'est quoi? C'est. Toutes les routes taillées dans la montagne et les forêts. Ok, enfin bref, ouais. J'ai débloqué du succès, c'est cool. GG! Sébastien Solob. Ouais, je suis Sébastien Solob. Ouais, effectivement, on peut dire ça comme ça aussi.